Bonjour les amis contes, ici Angélique Barbry pour la chaîne Contes et Cookies. Je vous propose de vous emmener au pays de l'imaginaire. Prêt pour ce voyage? Choisissez une position confortable. Détendez-vous. Fermez les yeux. Ouvrez grand les oreilles et laissez-vous bercer par cette histoire que je vais vous raconter. Bonjour, aujourd'hui nous allons découvrir les contes de Nasreddin Hoxha. Et j'ai choisi l'histoire d'Edizan. Un jour, Nasreddin va en ville et achète 10 ânes. Il enfourche l'un d'eux et tire les autres derrière lui. En chemin, il se retourne pour vérifier que ces ânes sont tous là. Mais quand il les compte, il oublie celui sur lequel il est assis. Il ne trouve donc que 9 ânes. Furieux, il descend de l'âne et, une fois à terre, regarde autour de lui pour chercher le voleur. Cependant, autour de lui, il n'y a personne. Il recompte alors ses ânes et pousse un cri de joie. Il y en a à nouveau 10. Nasreddin remonte sur l'âne et reprend son chemin. Un peu plus loin, il se retourne à nouveau et recompte. Malheur, ils sont 9. Il remet le pied à terre et recompte. Bonheur, ils sont 10. Nasreddin réfléchit et se dit chaque fois que je suis sur un âne, les voleurs essayent de m'en dérober un. Alors, il vaut mieux que je continue à pied. Et c'est ainsi qu'il arrive chez lui, transpirant et épuisé, mais fier d'avoir échappé aux voleurs. Il raconte l'aventure à sa femme, qui pousse un grand soupir et dit « En regardant bien, je ne vois pas seulement 10 ânes devant moi, mais 11. » Voilà, j'espère que cette histoire vous aura plu et je vous retrouve dès demain. Au revoir les amis contes.